giờ Mimi gọi anh Gilly Gilly kìa. Gilly 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 con mèo con mèo Gilly Gilly Gilly. Đưa mẹ lau miệng cho con đã. Mimi Mimi đây. Quand il est Mimi. Il est où Antonin? Il est où? Là, 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 là. Il regarde les souris courir dans la campagne. Soudain, crie très fort. Les souris effrayées s'égayent dans tous les sens. Comme c'est drôle. Mais les nuits deviennent de plus en plus noires et la lune de plus en plus mince. Elle éclaire de moins en moins. Et une nuit, elle ne veut même plus quitter le creux de son arbre. Sa lune l'aime beaucoup. Grand-mère, grand-père fait alors plusieurs dessins. Regarde, Flo. Tu as vu que la lune devenait de chaque jour. Elle grossit jusqu'à être. Et au bout d'un mois, tout recommence comme avant. Bisous, bisous, grand-mère, bisous, grand-mère. Elle grossit, elle grossit. Elle devient. Donne ta main. Donne ta main. Une nuit, il y a un grand-père qui l'appelle. Tu vois ton chat? Viens, tu vas avoir une surprise. Celui-ci lui trouve la vie, je crois. Elle est presque ronde, c'est excellent. Le gros. C'est le nez du cochon en fait. Oui. En fait, ça c'est pour que tu lises toi avec Ami ou avec Antonin. Toi tu lis ça et puis eux ils doivent dire le. Ah, d'accord. Allez, oui. Vas-y Antonin. Bon, allez. Tu vas lire. Attention. On va jouer. Ça c'est le cochon, le bonbon, la queue et le roi. Bon. Moi, le. Le quoi? Le cochon. Toi, oui. Oh, tu dis comment? Le cochon. Long. Les pattes courtes et la. La quoi ça? La. Que. Allez, que. Mimi, j'en quoi? Bravo. Un tir bouchon au bout de mon. Museau plissé, se trouve mon nez, c'est le. C'est pas papier, non, mais c'est un autre, une autre situation. D'accord. Elle dit les mots, les noms des animaux, mais pas en français. Alors toi, tu les comprends pas. Vous pouvez venir à table. Viens à table, Antonin. Mouton.
Par ici. Mais ils s'entendent bien là les deux. Oui. Hein? Oui. Il est petit, il est bon. Il est bien. Maman. Oui. Elle est là. Oui, il est gentil avec les autres. Oui. Bien. Il est si bien. Oh. Et tu sais que l'émission là-bas, hein, c'est pour les profs là-bas. Ça va bien. Comme tu te l'aimes, comme ça. Remets ton oreille. Et oui, ami. Ton oreille, tu la remets, Antonin. Oh non. Remets ton oreille. Qu'est-ce qu'il fait? Oh non. Rentre l'oreille, non. Moi, c'est pauvre. Comment on vit? Mais tu es laid comme ça. Mais moi, je peux te calmer que toi. Te calmer que toi. Mimi, et Antonin, vas-y. Oh. Non, écoute, avec ton oreille, quoi, tu sais. Sors ton oreille, normalement. Remets ton oreille. Remets-la. Il a l'oreille très souple. Non, il est rentre comme ça. Oui. Oui. Il est rentre. Ça y est, c'est bon. Ouais. Oui, ça tue. Je vais vous filmer. Allez. Alors, soyez d'abord très sérieux. Un beau sourire, simplement. Comme ça, on croise ses jambes. Super. Elle mange. Mimi. Elle est contente. Tu manges trop. Et alors maintenant, vous allez chanter une chanson. Non, non, tu énerves, hein. Bon. Hey, tu sais, Antonin. Elle va faire comme Antonin. Antonin. Elle va faire comme. Tu sais ce que tu vas faire? Antonin, tu vas lui chanter. Est-ce que tu connais des chansons? Oh, oh. Ah, tu connais...